Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modifier et transformer un document PDF avec le logiciel Master PDF Editor. Ce logiciel n'est pas libre, mais il est gratuit sous Linux. Nous allons déposer cet exemple de fichier PDF sur la fenêtre pour qu'il s'ouvre. Et pour pouvoir remplir ce PDF, eh bien, nous allons tout simplement utiliser l'outil ici, Texte. Alors, nous allons redimensionner la fenêtre comme ceci. Voilà. Je mets ici ma souris, je clique et j'indique le texte. Je saisis le texte que je souhaite compléter. Alors, ici, on peut évidemment modifier hein, la dimension et la taille de la police, la couleur, etc. et même l'opacité. Si on a besoin de cocher une case, eh bien, il suffit de prendre tout simplement l'objet texte et puis de taper sur la lettre X qui va vous dessiner ici une petite croix. Alors, ce logiciel permet également de transformer hein, du texte. Par exemple, vous voyez, si je clique sur ce texte, vous voyez, on peut le déplacer. On peut aussi le supprimer. Nous allons voir comment signer un document. Donc ici, on nous demande d'insérer une signature. Nous allons utiliser l'outil Image. Je mets l'image. Donc vous voyez, je vais dézoomer. Je vais la redimensionner comme ceci. Et je vais la positionner à peu près à l'endroit où je souhaite insérer la signature. Et voyez, en prenant les poignées, ici, je la redimensionne et je la pose à l'endroit exact où je veux qu'elle se situe. Ensuite, il ne me reste plus hein, qu'à faire fichier, enregistrer sous et lui donner un nouveau nom, tout simplement. Voilà, donc ce logiciel présente des fonctions plus avancées que Acrobat Reader, hein, qui ne permet que de remplir et d'annoter le document. Celui-ci permet en plus hein, de créer des documents PDF avec formulaire et également de modifier tout un tas de choses dans le document. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.